chouette costume. Vous êtes très élégant, Monsieur Burnham. La dernière fois qu'on s'est croisés, vous aviez moins d'allure. Je prendrais bien une bière. Salut, ça va? Tu te rappelles d'Angela? Ah oui, bien sûr. J'ai oublié de te dire qu'elle dort à la maison. T'as rien contre? Désolée pour mon père. Pourquoi? Moi, je trouve ça marrant. Ouais. Pour toi, c'est rien qu'un mec de plus qui veut te sauter comme tous les autres. Mais pour moi, c'est... Non, j'ai trop les boules pour pouvoir en parler. Moi, c'est plutôt ta mère qui me met les glandes. Quelle hypocrite! Mais ton père, je le trouve assez craquant. Arrête! Oh, je te jure, il serait plus baraqué, il s'appelait un peu plus sexy, il serait canon gras! Arrête, la ferme! Oh, je t'en prie, t'es jamais allé le mater pendant qu'il prend sa douche? Je parie qu'il a une bite énorme. Oh. Est-ce que tu peux être dégueulasse? Arrête, ça me saoule! Il se fait un régime, 2-3 séances de muscu et je le viole! Je lui saute dessus, je le suce, je lui fais la pipe de sa vie et après je le vide jusqu'à ce qu'il ait les yeux qui tombent par terre. Jane, chut. C'était quoi ce bruit? Je te jure, il y a eu un bruit. Oui, toi en train de couiner comme une truie, voilà ce que c'était ton bruit. Non, c'est pas pour déconner. Tu vois? Oh, c'est pas vrai. Jane, qu'est-ce qu'il y a? C'est le taré d'à côté. Et s'il te vouait un véritable culte? Un truc du genre, des photos de toi épinglées au milieu de tous les animaux morts qu'il a sacrifiés. Merde, je te parie qu'il est en train de nous filmer. Ah ouais? Thank you.